Dutch? Non. Is Quincy Dutch? Asseyez-vous. Je parle pas allemand, je préviens tout de suite. Mais il me taquine. C'est votre mari? C'est mon mari. Bedisch quoi, Bedisch. Alors, moi je parle pas allemand, mon compagnon pourrait vous le confirmer, mes amis pourraient le confirmer. Bedisch, il manque un mot. Bedisch, je vais vous dire, si j'entends des mots en allemand, ça risque d'être mal dit, mal, vous comprenez? D'accord, mais il préfère le dire dans cette langue quand même, hein. Bedisch. Hein? D'accord. Il faut faire attention. Cher monsieur. Alors j'écris. Des fois, j'aime bien écrire. Cher monsieur. Vous pensez bien, cher monsieur. Surtout pas, ma petite, surtout pas, pas ça. Et les petites. Toi, adore. Il manque des mots. Vous avez parlé du suicide. Il dit, surtout pas ça. Et les petites chiennes. Oui. Toi, adore. Pas le droit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des fois? Engen, wangen. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Engen, wangen, ça existe ce mot-là? Il y a en allemand. Et des fois, je peux mal comprendre. Vous êtes allé en Autriche. Oui. Vous êtes allé en Autriche, dans un hôtel. Oui. Et vous êtes en train de pleurer au lit. Oui. Vous êtes toujours en train de pleurer au lit, oui. Avec les petites. Oui, toujours. Hein, oui, avec les petites. Il y en a une qui est une chienne qui était malade aussi. Alors, il y a une. C'est pas tout le temps. Il m'amène à un moment. D'accord. Vous êtes descendu manger au restaurant toute seule. En pensant à lui et en prenant votre verre comme ça. Hein? Comme avec lui, c'est-à-dire que je le vois face à vous, mais dans le coin, là, il dit on est déjà allé là-bas, c'est comme un pèlerinage, vous comprenez? Et pour vous, la même chambre, vous rendez compte des détails qu'il donne, et il sait que vous avez repris la même chambre, que vous êtes allé au même endroit, hein? Il y a une chienne qui a été malade. Vous comprenez? Oui. Attendez, vous pouvez parler. Oui, j'avais 3 jours avant sa mort. Attendez, pas plus de détails. Juste oui, je veux rien entendre. Parce que c'est pour vous faire comprendre que il était là avec vous à ce moment-là. D'accord? Oui, hein? Là, j'étais sûre aussi. Oui. Il était là. Oui, il y a une vous allez... Alors, il me montre une autre scène où vous allez dans la salle de bain et puis vous avez mis votre main comme ça, et puis vous faites comme ça. Vous ne pouviez plus. Hein? Encore précis, là, à côté. Et il me fait comme ça, et il me dit non. Non. Est-ce que chez vous, ou à un endroit où vous avez vécu, il y avait un escalier en marbre? Où vous êtes allé? Beaucoup d'hôtels. Il me montre un. Mais alors, je pense que c'est comme un hôtel particulier ou un hôtel ou avec des. Voilà. Alors, il dit, il me met une robe de princesse toute blanche là. Hein? Hein? Comme si, que vous adorez ça. C'est mignon tout plein.
Il était un peu autoritaire des fois. Mais il a pas lu avec moi. Oui. Parce que sinon, je suis un peu. Oui, oui, oui. Voilà. Elle fait des bêtises. Elle dit, elle aime bien faire des bêtises, elle fait des bêtises. Cool. Il aime bien le champagne parce que. Oui. Parce qu'il adore le champagne. Oui. Oui. Alors, ça, c'est son plaisir, champagne. Oui. Jürgen. 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 Jürgen, c'est son prénom. Oui, c'est ça. Jürgen. Jürgen, Jürgen. Jürgen. Voilà. Oui. Jürgen. Jürgen. Qui a travaillé ou qui a possédé, ou soit dans sa famille ou dans son entourage, une entreprise qui faisait du bois, une scierie, du bois, ou pourquoi elle montre ça? Ça vous dit quelque chose? Est-ce que quand vous étiez en Autriche, oui. Vous êtes allé dans un endroit où on coupe les forêts, où il y a plein de... Oui, partout. Hein? Oui, en Autriche, c'est partout un peu. Partout un peu, d'accord. Oui, oui. Il était intéressé par la forêt. Il a aimé dormir dans des chambres quand il faisait sentir le bois. Ah oui, oui, c'est ça, voilà, c'est ça, le bois, voilà. Il me fait sentir le bois et il m'amène dans un... Ça. Oui, oui, c'est il était maniaque avec ses dents. Oh, comment? Hein? Il est maniaque avec ses dents. Oui, oui. Trois fois par jour. Mais moi, voilà. Il dit que quoi? Il fait comprendre que c'est Inge. Qui c'est Inge? Ingrid, c'est normalement mon nom, mais je m'appelle comme Sonia. Ingrid, c'est le nom de... qui est dans mes papiers, mais je déteste ce nom. Hein, il vous dit, le nom que vous détestez, vous vous rendez compte, Ingrid. Ingrid. Le nom qu'elle déteste. Oui. Ah, trop drôle. Oui. Il rit, oui. Il rit, et il dit qu'il est aussi beau que le jour que vous l'avez rencontré. Oui. Hein? Il faut... Et il me fait ça. Oui, la vase. Ouais. Voilà, voilà. Et qui vous emportera oui. Dans une valse. Oui, c'est ça. Il vous emportera dans une valse. Oui. Je peux lui répéter ça? Eh bien, ça, c'est difficile à dire. Hein. Ah, comment je vais dire ça? Ne m'en voulez pas de ce que je vais vous dire, d'accord? Non, pas du tout. Attendez. Alors c'est peut-être, c'est bizarre, mais très bizarre ce qu'il me fait comprendre, monsieur. Alors, il valse avec vous, et pouf, pouf, on passe ensemble de l'autre côté. C'est ce que vous auriez voulu passer ensemble de l'autre côté? Vous comprenez? Oui, tu comprends, c'est dans l'autre... Oui, dans l'autre que là. Oui, 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 on aurait bien voulu. Voilà, c'est ça, il me dit, on va, on désincarne et on passe de l'autre côté. Oui, c'est là, on aurait été en rêve. Oui, oui, il me répète ça. Ça, tout ça, tous ces détails-là, il n'y a que vous et lui qui savez. C'est pour vous prouver sa présence ici et par amour. Il dit que vous êtes venu d'Allemagne, que vous avez fait tout ce trajet... 3000 kilomètres, que c'est normal, qu'ils viennent. Dites-moi, c'est son papa qui s'habillait, qui était très élégant aussi, son papa. Non, pas trop. Pas comme lui. Pas comme lui. Alors, à côté de lui, je vois un homme qui avait un chapeau. Oui, il avait quand même quelques amis aussi, parce qu'il était dans la politique partout. D'accord. Attendez. Est-ce que un nom en allemand comme Küter ou Köker ou... Keukert, c'est moi. Comment? Keukert. Je m'appelle Schum Keukert parce que mon père, c'était mon idole, et lui, il savait que je l'ai aimé trop. Oui, mais il s'appelait Köukert, votre père? Et c'est pour ça que j'ai gardé le nom. D'accord. Alors, est-ce que c'est lui qui s'habillait bien? Oui, qui s'habillait oh, bien? Oui. Oui, voilà, on n'a pas compris, donc je viens de donner le nom en... Bon, excusez-moi, je l'ai... Köckert, oui, ou... Hein? Köckert. Voilà, c'est votre... Köckert. Köckert, c'est ça, dans ma tête. Non, c'est papa. Oui. Avec...
papa là, qui est là, d'accord? J'ai la photo aussi, hein? Toujours. Ah, bah c'est pour ça, dans votre sac. Oui. Vous avez une marionnette dans votre sac? Une marionnette? Mon petit prince que j'ai toujours avec moi. Qu'est-ce que c'est ça? Une marionnette qui me monte dans votre sac? Parce que le petit prince, Saint-Exupéry, il m'accompagne depuis que je suis née. Et vous montrez, c'est une marionnette? Ça fait comme une marionnette? Une poupée, oui, pour moi c'est une marionnette, une poupée. Vous avez toujours votre poupée avec vous? Toujours avec moi, tous les voyages, n'importe où. Oui, même bah, sans mouton. Oui, bah c'est pour ça qu'il me montre ça. Oui. Et il y a l'une de vos chiennes qu'il a pris dans sa bouche. Oui. Oui, qui prend dans sa bouche et vous êtes en colère à chaque fois. Oh oui. 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 C'est incroyable, je veux dire. C'est incroyable. Je regrette chaque. J'aurais tout fait pour venir ici. Tout le monde m'a dit, mais 3000 km, tu oui. Après la mort. Vous êtes folle. J'ai dit, moi, si j'ai quelque chose dans ma tête, je le fais n'importe comment. Je suis heureuse. Et c'est marrant parce que vous. Je prends mon temps, parce que ne vous inquiétez pas. Je vais prendre mon temps. Il me montre, il est très marrant. Il a de l'humour, mais c'est un peu de... Il me met un cadeau, et dans un autre cadeau, et dans un autre cadeau, parce que vous aimez tout déballer. Il me fait ça, hein. Un cadeau dans un grand cadeau, et dans un grand cadeau, et dans un cadeau. On va pas en finir, hein. Il a eu un problème au foie. Il avait un cancer. Parce que j'ai ici partout. Le cancer s'est généralisé. Il démarre dans le foie et. Et puis il me fait ça. C'est parti. Et puis. Hein? Oui, il dit toujours. C'est rien. Ah, rien. Il a fait partie comme d'un conseil municipal ou d'un conseil avec des hommes qui décident. Tous les professeurs de médecine, parce qu'il a travaillé aussi avec. D'accord. Chaque jour, il y en avait. Et moi, j'ai dit, tu vas me dire comment. Et il ne voulait pas le voir. Pourquoi il me montre un collier de perles blancs? Parce que c'était une. Pas les devants. Entre autres, il m'avait à Mallorca, il m'avait envoyé une fois des perles comme ça, mais après aussi, il m'a envoyé les bijoux originaux de Sissi. c'est un amour. Il a eu une Mercedes? Il avait la Mercedes et Jürgen, pour me faire plaisir, au début, il avait acheté une Mercedes. Mais après, il m'a dit, écoute, avec les Mercedes, je vais faire les voitures françaises. Oui, mais votre papa, lui, là, le chapeau, il me montre une Mercedes. c'est un souvenir oui, pour vous. Oui, hein? D'accord. Pour lui, c'était le même Sarkozy, il en avait aussi. Moi, j'ai la deux chevaux. Et vous avez la deux chevaux. Il y a une de vos chiennes qui doit subir une intervention ou qui a subi une intervention depuis qu'elle est partie. J'ai déjà perdu 7. Ouais. Des maladies bizarres. Est-ce que vous avez eu un Yorkshire? Toujours les Yorkshire. Ah, c'est des Yorkshire. Vous voyez, en plus, ils me montrent maintenant les Yorkshire. Hein, ouais. C'est la race en plus qui me la donne. Hein, okay. Ouais. Qui s'appelle Sissi. Alors, il y en a une, vous lui avez mis un truc là sur la tête. Hein. Et vous savez ce qu'il me dit en riant, que quelquefois quand vous choisissez un lit, vous êtes perdu dans le lit à l'hôtel. Vous êtes toutes perdues, le lit il est grand, et vous êtes là tout comme ça. Hein? Avec les peut-être. Hein? Il vous voit. Alors, il avait une manie, quand il enlevait le drap, de faire toujours ça. Oui, il était très, comment dire, ordentlich. Oui. Moi, je suis comme ça, oui. Et puis il était avec toutes ses affaires. Voilà, c'est ce qu'il vient de me faire. C'est ce qu'il vient de me faire dans l'instant. Voilà ce que je peux vous transmettre aujourd'hui. Il est là, il vient de donner tous ses détails, il vous en plein d'amour, et dit... une prochaine fois. Hein? Oui, et ce soir, je vais boire notre cri des gris, notre vin préféré qu'ils ont à l'hôtel. Voilà. Allez, c'est ça. Si je dis rien, ils vont regarder comme si j'étais un peu folle. J'ai dit, mon mari me renvoie le vin, le cri des gris.
Alors, c'est toujours un signe de lui. Voilà. Un rendez-vous privé. Je reste ici. Un rendez-vous privé, vous venez bientôt. D'accord, ok, très bien. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà. Je ne pense pas à M. Sidney. Non, bon, bon, bien. Pardon. Merci. Merci pour votre patience. Si vous êtes heureux, c'est principal. Merci.